Bonjour les élèves de CE1, deuxième année primaire. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Méthode de français, c'est une autre façon d'enseigner la langue française à distance. Je choisis pour vous ce livre, vraiment très intéressant pour vous, c'est l'arbre bon. Alors aujourd'hui, chers élèves, on va voir ce qu'on appelle grammaire. Voilà, grammaire. Je vais vous inviter ensemble à comprendre un nouveau cours vraiment très intéressant pour vous. Alors prenez s'il vous plaît, comme d'habitude, votre livre préféré, l'arbre au mot, et suivez avec moi. Allons-y. Alors, le cours d'aujourd'hui de grammaire, c'est vraiment facile. Les accords du verbe avec son sujet. Deuxième partie. Avant de faire des exercices d'entraînement, il vaut mieux d'observer et de découvrir. Alors, je lis les textes 1 et 2. D'accord? On est ici. Léa se brosse les dents. Elle regarde le dentier dans le verre. La petite fille appelle mamie. Elle lui demande pourquoi ses dents sont tombées dans le verre. Je répète, Léa se brosse les dents. Elle regarde le dentier dans le verre. La petite fille appelle mamie. Elle lui demande pourquoi ses dents sont tombées dans le verre. Je lis maintenant deux. Texte 2. Léa et Sophia se brossent les dents. Elles regardent le dentier dans le verre. Les deux sœurs appellent mamie. Elle lui demande pourquoi ses dents. Elle lui demande pourquoi ses dents sont tombées dans le verre. Alors, recopie les phrases, puis dans chaque phrase de chaque texte, encadre le verbe conjugué au présent et souligne son sujet. D'accord. Alors ici, se brosse. C'est le verbe de Léa. Léa, c'est le sujet de se brosse. La même chose ici, regarde. C'est un verbe. Le sujet, c'est elle. Elle regarde le dentier dans le verre. La petite fille appelle. On a ici appelle, c'est un verbe. Le sujet, c'est la petite fille. Elle lui demande, demande, demande. C'est au présent, demande. Le sujet, c'est elle. Elle lui demande pourquoi ses dents sont tombées dans le verre. Alors je répète encore une fois, se brosse, regarde, appelle, demande. Ce sont des verbes au présent. Ils ont toujours un sujet, c'est Léa. Léa, elle, la petite fille, elle aussi. Ici, non, c'est au pluriel. On dit Léa et Sophia se brossent. Et donc, il y a un changement ici. C'est au pluriel, puisque le sujet est au pluriel. Léa et Sophia se brossent. Le verbe aussi au pluriel. C'est ce qu'on appelle l'accord. On va voir ici. L'accord du verbe avec son sujet. Léa et Sophia se brossent les dents. Elles regardent le dentier dans le verre. Les deux sœurs appellent mamie. Elles lui demandent pourquoi ses dents sont tombées dans le verre. Alors, le changement ici, c'est le passage du présent, le passage du singulier vers le pluriel. On a Léa et Sophia. Dans quel texte les groupes sujets sont-ils au singulier? Bien sûr, c'est le premier texte, texte 1. Et dans quel texte les groupes sujets sont-ils au pluriel? C'est texte 2. On a Léa et Sophia, c'est pluriel. Mais Léa ici, c'est seul, c'est le singulier. Léa et Sophia, c'est pluriel. Quelle est la terminaison des verbes quand le sujet est au singulier? Normalement, c'est avec e. Par exemple, se brosse avec e, regarde avec e, appelle avec e, à la fin, demande avec e.
mais au pluriel, c'est ont été, se brosse, regarde, appelle, demande. Alors, quelle est la terminaison du verbe quand le sujet au pluriel, c'est ENT. Regardons ici à la fin de se brosse, regardons ici à la fin de regard, hein? Appelle, demande. Maintenant, on passe aux entraînements. Recopie les phrases, puis souligne le sujet de chaque phrase et encadre chaque verbe. Mais nous demande beaucoup de consignes. Recopier les phrases. Après, qu'est-ce qu'on nous demande de souligner le sujet? Les dents, la brosse, le sucre abîmé, il. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le sujet. Les dents, la brosse, le sucre. Seulement le sucre. Mais abîme, non. Abîme, c'est le verbe. Il. Alors, je souligne les dents. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Les dents. Voilà. La brosse. Le sucre. Il. Et on cadre chaque verbe. Voilà. Pousse. Les dents. Pousse. Pousse. La brosse. Débarrasse. 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 Le sucre. Abîme. Abîme, c'est le verbe abîme. Étale, étale, c'est le verbe étaler. Abîmer, ça veut dire détruire, étaler, abîmer, débarrasser et pousser. Alors, relis sujet et verbe. On a le dentiste, elle. Qu'est-ce qu'il fait le dentiste? Le dentiste soigne la carie. Le dentiste nettoie ses instruments. Le dentiste aussi ajuste son masque. Pourquoi je choisis facilement ces verbes? Parce que je vois la terminaison qui est toujours E. Le dentiste soigne, le dentiste nettoie avec E à la fin et le dentiste ajuste. Par contre, elle, c'est pluriel, on dit elle se lave. Il y a l'accord entre le verbe et son sujet. Elle se lave, elle se rince. Elle se lave les dents, elle se rince la bouche. C'est la même chose pour il et ma sœur. Il, c'est pluriel, ma sœur, c'est singulier. Alors, on choisit ma sœur boit du thé, ma sœur va au restaurant, il mange de tout, il n'aime pas les courgettes, ils sont malades. Voilà, c'est facilement que je choisis n'importe quel verbe. Parce que, tout simplement... je sais comment accorder le verbe avec son sujet. Alors, ma sœur boit du thé, puisque c'est au singulier. Ma sœur va au restaurant, il mange. Il mange de tout, il n'aime pas les courgettes, ils sont malades. 3. Recopier chaque phrase avec le verbe qui convient. C'est vraiment facile, puisque je maîtrise ce qu'on appelle les accords du verbe avec son sujet. Alors, les garçons, que font-ils? Les garçons mangent, mais mangent avec eux ou ont été? Bien sûr, avec ont été. Les garçons mangent trop de bonbons. Léa se lave avec eux. Les dents après chaque repas. Les dents de lait tombent avec ont été. Toute seule, le dentiste ausculte avec eux la dentition, elle préfère avec eux les gâteaux. Les garçons mangent trop de bonbons, mais mangent avec eux. Léa se lave les dents après chaque repas, puisque c'est au singulier, se lave au singulier. Les dents de lait tombent au pluriel avec un thé. Le dentiste ausculte avec eux ici la dentition et elle préfère eux les gâteaux. Récris ces phrases en remplaçant le sujet par celui entre parenthèses. Alors, la voiture, Malik et Samia, le cuisinier, les abeilles, c'est au sujet au singulier. Je remplace par les camions. La voiture avance lentement, on dit les camions avancent lentement, mais on écrit en rond avec ONT. Malika et Samia rentrent en classe, on dit Taufir, rentre en classe avec eux à la fin seulement parce que c'est au singulier. Le cuisinier prépare les repas, le chef et ses commis préparent avec ONT puisque pluriel. Les abeilles piquent pour se défendre, on dit la guêpe pique
avec eux à la fin pour se défendre. D'accord, vous avez bien compris. Alors, toujours avec le thème de l'alimentation, page 98. 80, page 80 seulement. Alors, dans la prochaine vidéo, on va voir activité. Au revoir. Thank you.